Samir Benbrahim, joueur du FC Istres. Dis-moi, performance où vous perdez 4 à 0, il n'y a pas eu de surprise. Qu'est-ce qu'il a manqué aujourd'hui? Je pense qu'il a manqué un peu plus d'agressivité dans le jeu. En première mi-temps, on a fait une bonne première mi-temps. C'est le but, je pense, qui nous met un peu en dedans. Et après, en deuxième mi-temps, on a essayé de rentrer un peu plus sur le terrain, mais on a fait une erreur, ce qui nous tue le match. Ben voilà, t'es en 2002, donc t'es très jeune. Ça, c'est un rêve pour toi, cette Coupe de France? Ça aurait été un rêve de passer beaucoup de tours et de jouer contre une Ligue 1? Ah oui, c'est comme tout joueur de football. Il aimerait bien jouer, tomber contre une Ligue 1. Comme on dit, c'est le rêve de Coupe. Donc voilà, aujourd'hui, on a été éliminé, on est un peu déçu, mais j'espère qu'on fera mieux la saison prochaine. Mine de rien, vous avez fait un gros parcours. Est-ce que tu es fier quand même du parcours? Vous perdez avant les 32e. Ah oui, on ne peut être que fier de notre parcours. On n'est pas tombé sur des tirages faciles. On a eu des N2, on a éliminé deux N2 et une N3 à la maison. Et aujourd'hui, c'est Grenoble qui nous élimine et c'est comme ça. Grenoble, une Ligue 2, c'est quand même pas mal voilà, de se confronter au niveau professionnel du terrain. Tu as trouvé ça comment? J'ai trouvé ça assez... c'était un peu excitant de jouer contre un club professionnel. J'ai trouvé ça... Je m'attendais à plus, sans mentir. Je m'attendais à un niveau plus élevé, mais je pense que tout joueur peut toucher ce niveau-là. Dernière question, vous avez attiré un public qui n'a pas forcément chanté, mais au moins du monde est venu aujourd'hui. Est-ce que ça fait plaisir de voir que le FC Istres revient, même si toi tu es nouveau dans le club? Est-ce que ça fait plaisir de voir qu'il y a des supporters et que ça prend? Ah oui, ça fait très très plaisir que les supporters se sont déplacés aujourd'hui. Ça nous a donné un peu plus de courage et de force sur ce match-là. Et j'espère qu'il reviendra à tous les matchs. Parce qu'en plus, en championnat, ici, vous ne perdez pas. Ah non, championnat, ici, on est invaincu. Donc, c'est la première défaite de la saison. Et on est un peu déçus sur ça. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup, Samir.